allez-vous? Vous allez bien? Bon, je suis un peu triste d'apprendre la nouvelle de Jean-Pierre Pernaut, comme vous tous, bien sûr. Bon, la mort de. Le décès de Jean-Pierre Pernaut, c'est un gars, 33 ans de journal, de JT, sur TF1. Donc, 1000 JT à peu près dans 1000, ouais, je sais pas. Je sais plus, il faudra que je regarde, mais bon, il a fait 33 ans de JT au journal de TF1. Donc, c'est un gars que qui a combattu au cancer, ouais, donc, parce qu'il disait il a souffert, mais il a combattu. Il a combattu le cancer du poumon. Donc, un cancer de la prostate en 2018 et le cancer du poumon. Fin début 2021, je crois bien, début 2021. Donc, cet été, là, je crois bien qu'il avait été opéré de la du poumon. Voilà. Donc, il disait dans une vidéo, tout va bien. Voilà, bon, tout va bien. Il faut pas avoir peur du cancer. Oui, non, il faut pas avoir peur. C'est ça le truc, c'est que moi, je me suis dit. Il va mourir pas, mais je le disais pas, je me suis dit, j'aurais été triste qu'il parte, en vrai, parce que je me suis dit, putain, ils vont en parler longuement à la télé, donc, c'est ce qu'ils font, bon, il y a aussi la guerre en Ukraine, donc c'est important aussi d'en parler, mais ils sont obligés d'en parler, c'est le héros des Français, en vrai, il nous machinera toujours dans le cœur, en vrai, lui, il nous machinera toujours dans le cœur, en vrai. Et lui, c'est un gars qui est super, parce que je trouvais, donc pendant le confinement aussi, j'ai trouvé son coup de gueule pas mal, ouais, parce que bon, il avait été opéré de la prostate, machin, mais donc il était obligé de se mettre à l'écart avec le Covid, bien sûr. Mais là, de se dire qu'il est décédé, c'est quelque chose qui. Parce que moi, je ne l'ai pas su, bon, c'est ma famille qui me l'a annoncé, parce que moi, je l'aimais, voilà. Ouais. Ça fait dingue de se dire qu'on n'y croit presque pas, en vrai, on n'y croirait presque pas, alors que même c'est les médias qui disent, même BFM TV qui disent, l'héros des Français qui a toujours été sur TF1 parce qu'il n'a pas changé de. Alors qu'il aurait pu changer, voilà. Mais il a toujours, après, voilà, il a été beaucoup dans TPMP, machin. Et ouais, je pense beaucoup à sa famille, à Nathalie Marquet aussi, Nathalie Marquet. Et à sa famille aussi, à ses enfants, voilà. Donc, ouais, c'est très, 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 ouais, c'est un gars très intéressant, en tout cas, que j'ai aimé, voilà, c'est que j'ai aimé, parce que tout simplement, ouais, ça fait dingue de le voir, que c'est un gars que j'avais, bon, je vous ferai voir la vidéo, mais il était auprès de collégiens à son. On va dire, ouais, c'était 2018-2019, ou je sais plus, ouais. Bon, dans les temps, de toute façon, c'est marqué la date. Il était auprès de collégiens, donc bah, c'est une chaîne, vous vous abonnerez à la chaîne. Voilà. C'est un collège en France. Voilà. Ils ont créé leur chaîne YouTube. Et ils veulent faire. Bah, c'est une classe de collège. De collège qui veulent sur le journalisme. Donc ils avaient été invités dans le journal de TF1. Bon, on les voyait pas machin. Ils passaient une journée à TF1, une matinée ou une journée, voilà. Et Jean-Pierre Pernaut, il les a bien accueillis. Ouais. C'était un gars qui était, ouais. Moi j'ai aimé son coup de gueule aussi pendant le confinement. Mais bon, il a été rejeté parce que du coup, personne ne fait qu'aujourd'hui, à part la ministre de la Culture qui était aussi à TF1, animatrice à TF1, ouais, qui a fait recenser son émotion. Et puis voilà, c'est quelqu'un que j'aime et voilà, il n'a jamais changé. Il a dit messieurs, dames, bonjour. Et il a fait ça pendant 33 ans au JT de TF1, sans arrêt. À part pendant les vacances, repris par Jacques Legros, jusqu'à son dernier JT fin décembre 2020. Voilà, fin décembre 2020, il a laissé la place à Marie-Sophie, bon, qui est en arrêt aussi parce que, du coup, voilà,
elle a un problème ophtalmique, mais donc ouais, c'est triste d'apprendre une nouvelle comme ça, parce que c'est triste, c'est ouais, c'est triste, j'en ai la larme aux yeux. Bon, je pleure pas, mais j'ai l'émotion parce que j'aime pas pleurer. Mais je trouve que si on pleure, si tout le monde pleure, en vrai, c'est un partage qui fait qu'on est tous malheureux. Donc on est malheureux sans. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui nous aura donné du cœur le cœur des Français, ouais, de l'émotion et de l'info aussi dans le cœur des Français. Donc voilà. Des coups de gueule aussi, des coups de cœur, voilà. Moi, je l'ai écouté beaucoup sur TF1 aussi. Donc après, il a été décalé, bah, il a été absenté de LCI, parce qu'il était sur LCI à un moment, jusqu'à fin, ouais, mi-2020, été 2020, il n'y était plus. À l'été 2020, il n'y était plus. Donc on l'a vu pendant les Miss France aussi. Voilà, donc il paraît qu'il a fait un malaise, un truc, bon, voilà, bon, il était vraiment fatigué, le pauvre. Mais il nous aura donné de l'info et beaucoup de choses, ouais. Parce qu'il a été beaucoup, il était beaucoup passionné par les régions, donc il a fait le tour du monde, le gars. Bah, je sais par exemple qu'il avait été à, je sais plus où, mais il avait été dans plusieurs villes de France, mais il a fait aussi le tour du monde. Parce qu'il a été à Toulouse aussi, je crois bien. Bon, il a été dans plusieurs. Parce qu'il a été à Toulouse. Il a été grand reporter aussi, je pense, dans beaucoup de lieux. Voilà. Pensez à lui. Et puis voilà. Toute l'émotion à sa famille. Voilà. Voilà. L'émotion. Tout simplement. Émotion à lui. Allez, allez les amis, au revoir.